Voilà, donc comme vous avez pu le voir, je suis morte. Je suis morte pour la première fois. Salut Redmaël, ça va bien? Ça va bien? Ah, donc voilà. Alors, bon, je vais vous raconter quand même. Parce que là, je vous ai fait un petit trailer et tout, mais je vous ai pas raconté tous les détails. Alors en fait, hier, on était en live. Donc je pense que ceux qui étaient là se souviennent. Donc on était en live et j'avais pas mal de choses à faire hors live, donc je me suis dit bon allez je vais m'y mettre et tout, je vais jouer un petit peu et comme ça on va avancer. Donc hier on a fait le jardin. Salut Dark, merci, ça va bien? Oh là là. Donc la vidéo que vous venez de voir c'est une reconstitution, hein, parce qu'en fait, donc je vous explique. Je vous explique. Donc hier, on a fait le jardin et tout, et je vous avais dit que j'irais chercher des fleurs. Salut Nox Angel, bienvenue sur le live. Je vous avais dit que j'allais chercher des fleurs, vous savez, pour décorer le jardin. Donc je suis allée dans la Flower Forest qu'on a déjà découvert, et je suis allée chercher des fleurs. Donc j'ai ramené plein de fleurs et tout, j'étais super contente. Ça se passait vraiment très bien. Je suis revenue donc à Dodane. Ça allait très bien encore. J'ai décidé, donc je vais vous montrer. Ah, il va faire nuit, c'est pas grave. Je vais vous montrer. Attendez, on va juste mettre un peu de musique. Hop. Et attendez, parce que du coup, comme j'ai préparé la vidéo et tout, j'ai pas eu le temps de mettre toutes mes musiques. Hop là. Je fais ça vite fait. D'ailleurs, un creeper. Hop. Ça. On entend quelque chose? Ou alors c'est moi qui ai pas le son assez fort. Salut Anaki! Et salut Panda Gaming! Donc ce live, je vous raconte ma mort. Ok, c'est bon. Normalement, vous entendez la musique. Par contre, il fait nuit, on va vite fait dormir. Donc hier, on a fait le jardin, on était super contents. J'ai même mis des photos sur Instagram et tout avec les shaders du jardin et tout. J'étais trop 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 contente parce que je le trouve vraiment très joli. Donc voilà. Salut Topix, ça va bien? Donc du coup, je suis allée chercher des fleurs dans le biome Flower Forest. Donc j'ai rangé les lamas là, vous pouvez voir, regardez. J'ai rangé tous les lamas ici. Comme ça, on pourra bien les, comment les faire reproduire, etc. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça, Dark. Alors, donc, vous voyez qu'ici, j'ai aussi vidé tous les coffres. En fait, je les ai mis devant la maison. Donc, je vous attendais, par contre, pour détruire la maison. Donc, on le fera ensemble. Et je me suis dit, oh là là, j'ai pas de flèches. Rappelez-vous, on avait fait, donc, on avait fait hier les poulets. Qu'on a mis ici. D'ailleurs, il y a un cheval avec, je sais même pas pourquoi. Du coup, je suis venue tuer des poulets et tout, parce qu'il me fallait, bah, il me fallait des plumes. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas de flint. Donc, j'étais un peu désemparée et tout. Ah, attendez, faut que j'enlève ça là. Smooth lighting. Voilà. Ce que j'aime pas, ça fait des trucs bizarres sur les chemins. Je le mets que quand j'ai les shaders en fait. Ça va et toi, Panda Gaming? Alors du coup, ah oui, je n'ai pas fait que ça aussi. J'ai fait un autre truc. Donc là, vous voyez qu'ici, il y a un buisson en plus. Pour ceux qui ont le sens de l'observation, je pense que vous avez remarqué. Derrière ce buisson, en fait, j'ai caché un levier. Et en fait, le levier, il va ouvrir ou fermer, vous savez, la cave qu'on doit faire, qui va être en fait la salle des coffres. Donc je vais vous la montrer. Est-ce qu'on casse le mur ou pas? Ah mince, on va pas voir d'ici. En gros, ça ouvre cette case-là, regardez. Je vais vous l'ouvrir. Hop. Regardez, ça l'a ouvert. Donc là, il y aura une échelle et ce sera l'entrée de la salle des coffres. Bon, je joue toute seule, donc j'ai pas forcément besoin de cacher non plus ma salle des coffres. Mais voilà. Ok? Donc ensuite, donc comme je vous ai dit, il me fallait des flèches. Parce que j'en avais pas. J'en avais pas, donc c'était la dèche et tout. Donc je me suis dit, oh tiens, si je farmais du gravier. Et je me suis rendu compte que j'avais 31 niveaux. J'ai dit, bon, ok, j'ai 31 niveaux. Je vais aller enchanter ma pelle pour aller plus vite, pour avoir du gravier. J'ai enchanté ma pelle, qui est Fi4, ok.
Efficate m'appelle. Et au passage, donc quand je l'enchantais, il me restait 28 levels. J'ai décidé de farmer le charbon que j'avais miné à la Seal Touch et pour enchanter une épée. Une épée, donc je vous rappelle qu'on est passé en 1.11.2 dans la version de Minecraft. Du coup, j'ai découvert, donc j'ai eu une épée Sharpness 4, Sweeping Edge 3 et Knockback 2. Je l'ai fusionné avec mon épée actuelle qui était Sharpness 3, Fire Aspect 2, Unbreaking 3. Et c'était une pelle touchée de soi, tu récupères à 100% des flints. Ah bon? Je savais pas. Mais je savais qu'il y avait un enchantement qui donnait plus de flints. Du coup, c'est pour ça que je voulais enchanter ma pelle. Donc, ce que j'ai fait, ça me coûtait 25 niveaux pour faire l'épée. Je me suis dit, bon, allez, je connais pas l'enchantement sweeping machin là. Apparemment, c'est hyper bien pour quand vous avez des hordes de monstres. Parce qu'en fait, cette animation là, vous savez, quand ça fait l'animation de. Ça passe sur le côté comme ça là. Bah, en fait, ça tape beaucoup plus les mobs qui sont sur le côté. Ça va leur faire plus de dégâts. Donc, du coup, je me suis dit, allez, on fait l'épée, on est fou, 25 niveaux, de toute façon, hop, on fait ça. Et bah, figurez-vous que j'ai bien fait de le faire. Parce que finalement, il me restait quoi? Deux levels quand je suis morte? Je vous ai mis le screen sur Twitter de toute façon. De quand je suis morte. Il me restait, ouais, deux niveaux, je crois. Donc j'arrive avec mon gravier. Donc là, regardez, dans le tab, du coup, je suis à deux morts. Parce que je suis morte une fois du gravier. Puis après, je vous ai fait la reconstitution. Donc c'est pour ça que j'ai deux, du coup. Donc, je suis venue ici. J'ai mis mon gravier. Voilà, j'étais trop contente. Et là, j'ai utilisé ma pelle. Et en fait. Enfin, une efficate, regardez déjà sur la terre, ça va hyper vite. Et j'avais pas calculé ça, quoi. J'étais un peu désemparée. J'avais zappé que ça allait aussi vite. Et du coup, bah, je me suis étalée au sol. Heureusement, j'ai pas perdu mon stuff, j'ai pu le récupérer et tout. Donc voilà. Voilà. Mais en plus, je filmais pas parce que j'avais filmé un peu avant. Puis là, j'étais en mode, ah, c'est bon et tout, ça va le faire, machin. Donc voilà. Voilà comment je suis morte. Bon, en tout cas, j'aurais quand même pas mal avancé hors caméra. J'aurais quand même pas mal avancé. Alors, vous préférez quelle version du coup? Vous préférez la version que je vous raconte ou la version du trailer? Dites-moi. Dites-moi dans le chat quelle version vous avez préférée. Ah, virée. Mais au début, en fait, je suis restée bloquée sur mon écran quand je suis morte. J'étais en mode, mais what? Je suis restée bloquée au moins je sais pas combien de temps et là je me suis mis à faire plein de screens. Je me suis mis à faire plein de screens parce que je me suis dit oh non et tout, ils vont pas voir que je suis morte. J'étais vraiment dégoûtée de pas avoir filmé pour le coup. Et du coup voilà. Du coup voilà. C'était trop ouf quoi. C'était trop ouf. Ah là là. Ouais les deux si vous voulez. Si vous voulez les deux ça marche. Ça marche, ça marche. Fortune, ça en donne plusieurs, touché de soi par exemple, hein. Ouais, c'est ça, tu récupères le bloc, ouais. Donc voilà, en gros, et j'aurais pas eu plus de flint. Et du coup, bah, enfin, je pense que la prochaine fois que je fermerai du gravier, soit je le ferai à plat, soit je le ferai dans l'eau. Non, mais je sais pas, je me sentais trop chaude et tout. Et alors, je sais plus qui, je crois que c'était Taku qui avait parié que je mourrais de dégâts de chute, non? Je crois que c'était ta coup, hein. Et que ça avait failli m'arriver quand on avait fait tomber le cheval dans la faille. Salut Dark Dylan, tu vas bien? Ah, oh, purée. Bon, en tout cas, c'était vraiment. Enfin, j'étais vraiment trop choquée, quoi, hier. J'étais en mode, mais non! Comment je vais faire et tout? Après, j'ai mis des screens partout. Ah, purée. C'était trop marrant, n'empêche. C'était trop marrant. Mais j'aurais trop aimé que vous voyiez ça, mais bon. Du coup, je vous ai fait la reconstitution avec un peu plus d'épicness dedans. Ça m'a bien fait marrer d'ailleurs le montage, j'ai passé pas mal de temps dessus, donc j'espère que vous avez bien aimé. Voilà. Donc voilà pour la mort. Du coup, ça donne un nouveau tournant à la série, je pense, parce que jusqu'ici j'étais hyper. Ouais, il me semble aussi Topix, hein. Salut! Salut Azerty, ça va bien? Non, j'utilise pas Skype du tout. Du tout. Twitter, Facebook et Insta. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Ah oui, j'ai ramassé ça aussi, regardez. Je sais plus qui m'avait donné l'idée d'en mettre dans le grenier. Du coup, on va aller faire ça. Et où ma top de craft, elle est là.
Donc là, j'ai tous mes coffres dehors, donc si un creeper pète, ça va être horrible. Ah oui, j'étais en train de vous dire que du coup, cette première mort, je pense que ça va nous libérer un peu et que ça va être vraiment un genre de tournant dans la série. Parce que jusqu'ici, en fait, je jouais vraiment très safe parce que j'avais peur de, justement, de crever. J'angoissais vachement cette première mort, et du coup, maintenant que c'est passé, on va pouvoir passer à autre chose, on va pouvoir élever un peu plus, avoir un peu moins peur. Et du coup, j'ai pensé que pour fêter ça, on allait faire péter, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais laissé un arbre volant, et bien on va aller le faire péter à la TNT. Ça vous tente? Ça vous tente? Oh là là. Merci Dark Mode, ça me fait plaisir. Ça me fait super plaisir. Bienvenue AZERTY. T'arrives à un moment là. Oh, incroyable. Mais en plus, j'ai même pas calculé parce que si j'avais eu le réflexe, j'aurais pu mettre un seau d'eau et tout, mais j'étais pas du tout préparée à tomber. Parce que c'est quelque chose qui m'arrive souvent en survie, notamment quand j'étais joueuse sur Craftasia. Ça m'arrivait souvent en survie de faire des tours de minerais. Vous savez, les minerais qu'on a récoltés à la Seal Touch. Et ensuite, voilà. Ouais, j'aime bien la TNT en ce moment. Du coup, je vous propose qu'on fasse ça pour fêter un peu. On va fêter, quoi. Attendez, il me faut du flint. On fait une tour, lol. Non, on va pas faire ça. Est-ce que j'en ai du flint au moins? Oui. J'ai 22 plumes. Cool. Bon, du coup, on a des flèches, donc ça, c'est plutôt cool. La TNT, est-ce qu'on l'a fait au briquet? Parce que là, je viens de crafter un briquet, mais ce serait peut-être plus... Ou alors, on s'en fout, on fait pas safe du tout. Genre, on va courir comme une folle. Pour calmer, tu fais des... Mais non! Attendez, j'ai pas pris de dirt. Faudrait que je monte pour péter mon arbre, là-bas. Regardez, vous le voyez? L'arbre maléfique. Et lui, il va exploser. On va le faire péter. Ça va être cool, hein? Ça va être cool. Allez, du coup, je vais quand même prendre de la dirt. Je vais me faire genre un escalier. Oh, il va faire nuit. Il va faire nuit! Où est ma dirt? Ici. Je sais pas pourquoi j'ai du poulet cuit. Ah si, on vient de faire un poulet. Salut cochon, ça va bien? Ça va bien? À toute Maëlle. Bonne soirée. Du coup, je me suis dit, ouais, ça peut être marrant. Ça peut être marrant. En fait, maintenant qu'on a commencé avec la salle des coffres et tout... Salut Gobrink, ça va bien? Je vais crever, je vais tout exploser. Oui, je build. On a fait la maison d'ailleurs, hier on a fait le jardin. On va faire un dodo, pas que les mobs y spawnent, trop loin du lit. Un dodo, on va aller faire péter l'arbre. J'utilise un texture pack, c'est le Faithful. Et en fait, je préfère build... avec un texture pack en fait qui change pas trop les blocs de base, comme ça tout le monde trouve ça bien, tu vois. Enfin, tout le monde peut voir. Je sais pas comment expliquer, attends. J'essaye de formuler là. En fait, quand tu joues en multi, les gens qui ont un pack personnalisé, des fois ça fait joli pour la personne qui build, mais pour les autres, avec un pack de texture plutôt de base ou un faithful, ça va pas être forcément joli. Du coup, comme ça. Avec le Faithful, tout le monde peut se rendre compte de ce qu'on peut faire. Je trouve qu'un pack de textures qui altère vraiment les blocs, si vous le reproduisez, j'ai plus parlé. Ah, j'ai plus parlé, au secours. Si vous le refaites, voilà. Si vous le refaites, chez vous, ça va pas forcément faire aussi joli. Parce que le pack altère trop les blocs. Vous voyez? Vous avez compris, hein? C'est comme l'arbre hier, vous avez tout compris, je suis sûre. Mais vous faites exprès de dire non, j'ai pas compris. on va tout faire péter là. J'en ai marre. Je vais tout faire péter. Attendez, on va le mettre genre au cœur de l'arbre. On en met une ou deux? Est-ce que si j'en allume, j'allume genre elle, est-ce que l'autre elle va exploser aussi? Je pense que oui. On va en mettre même une troisième là. J'en ai plus rien à faire. Ah, purée, ça me fait trop marrer. C'est parti. C'est parti. Ouais, c'est pas grave si elle est ouverte, c'est pas grave. C'était juste histoire de, tu vois, faire genre...
Ouais, c'est secret et tout. De rien, Zerti. De rien, de rien. Tu as mal à la gorge? Pas trop, ça va. J'ai un peu le nez pris encore, donc si vous m'entendez parler du nez, c'est normal. Hein. Salut, Pinomo! Non, ça va. Ça va, ça va. Mais je suis pas triste dans le sens où on va prendre plus de risques, en fait, du coup. Donc ça va être... Enfin, je vais moins flipper d'un creeper, ou tu vois. Mais n'empêche que j'ai jamais fait exploser de creeper encore. Attendez, vous voulez voir les stats? Vous voyez, j'avais dit plus de 40 heures. 1,75, ça fait 42 heures. 1,75D. Il y a quoi d'autre? Bon, ça, c'était la reproduction, du coup. Il y a 25,74 minutes. Sinon, il y a quoi? Il n'y a pas, genre... si on a fait péter un creeper ou quoi? Genre les mobs, il y a quoi? J'ai tué 11 blazes, j'ai tué 49 poulets, 87 vaches, 9 creepers. Mais on voit pas si on en a fait péter un ou pas. Mais en plein. Bah j'en ai pas trop la TNT, du coup on va en mettre 3, je pense. Un Enderman. Ah, j'ai tué un seul Enderman? Mais non, parce que... Ah, mais peut-être parce que celui que j'ai loot, l'Enderpearl... celui où j'ai loot, l'Enderpearl, il est mort du Fire Aspect, en fait. Donc... 4 Ghast, 11 Magma Cube... Ah ouais, quand même. Ah, mais oui, c'est vrai, les petits, ça compte. Ah, les cochons, on en a tué pas mal. Hein. Gitanus ne regarde pas. Un seul lapin. 15 squelettes, 23 slimes. 5 araignées, 9 squid, 2 witch. Vous avez vu ça? 2 witch. Hein. Attention. 20 zombies. Un zombie villageois. Ah ouais, j'ai tué un zombie villageois. Ah, je suis folle, j'aurais dû le garder. 9 wither squelettes. Je crois que c'est une tête tous les 30. On va devoir farmer de ouf. Hein. On va devoir farmer de ouf. Bonne nuit, Azerty. Bon, bref. Passons à la TNT. Vous êtes prêts? Je vais courir. Hein. Oh là 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 là, tout va bien. J'entends que ça pète en plus et ça lag. Oh, bah l'arbre a disparu. Il y avait un arbre, bah il y a plus d'arbre. Hein. Ah purée. Salut Clément. Ah mais je t'ai déjà dit bonjour Clément, c'est qui disait bonjour à Gobrink. Un build sympa avec un pack de base, ça donnera un résultat encore mieux. Avec un gros pack, l'inverse n'est pas forcément vrai. Je sais pas. Mais ouais, quand tu prends un pack qui alterne les blocs, même quand tu prends juste un pack qui altère un peu les couleurs, eh bien ça change complètement quoi. Plus le temps de niaiser. Adieu les arbres volants. Bon bah du coup, on avait mis un panneau pour dire qu'il y avait un arbre volant. Je crois qu'on va mettre un panneau pour dire qu'il est mort. Ah mais l'arbre il a disparu quoi. J'ai senti un petit coup de lag, tu sais, le temps que la TNT elle machine. Et là il y avait plus d'herbe quoi. Feu d'artifice. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ah c'est bon. Alors on va aller chercher un panneau, du coup on va dire RIP. Un arbre? Ah bah non, j'ai pas vu moi. Il y avait pas d'arbre, non non non. Je sais pas de quoi vous parler. Bon bah c'était largement suffisant, 3 TNT, hein. Écoutez, ça a bien fait le ménage quoi. Ça a bien fait le ménage. Je pensais pas que ça aurait autant nettoyé, tu sais, je pensais qu'il resterait un petit peu de bûche ou quoi. Bah non, pas du tout, ça a tout jarté. Du coup, du bois. J'ai pas envie de casser des bûches, mais bon, on va le faire quand même. Alors, on va faire un panneau. On va aller le mettre, comme ça on se souviendra de ce qu'on a fait comme bêtise ici. RIP l'arbre, grave. Il est mort en 2017 du coup. Ouais, mais il a pas vécu un an. Vu que je sais plus quel âge. Je sais pas, j'allais dire ah, je sais plus quel âge il a l'arbre et tout. Mais ouais. Oh, voilà le fruit de l'arbre. Le fruit. Oh. Ah purée, c'est n'importe quoi. Arbre volant, gloire à toi. Donc là, on va mettre arbre volant, RIP. Arbre volant, rest in peace. In peace. Voilà. Autrement dit, RIP. Et après, on va mettre quoi? Oh, peace, comment j'ai écrit ça? J'ai écrit pièce. Attendez. Peace. Je viens juste de m'en rendre compte. J'étais en mode, mais attends, c'est bizarre, là. Du coup, on va mettre quoi? Ouais, on va mettre 2016-2017. Hein.
Bon, par contre, il a pas un an, hein. Mais bon. Je sais pas quel quand il est né. Je sais pas quand je l'ai fait, je me souviens plus. Je me souviens plus. Voilà. Et voilà. Voilà. Ah, nous nous souviendrons ici de la violence. Salut Maxouche, ça vient? Après, forflanou, préfortuit. Ah, je dirais. Trop marrant. Tu l'encadres, la pomme. Ah ouais, je vais l'encadrer. Mais de toute façon, il était moche, hein, il gâchait le paysage. Mais je voulais pas lui dire pour pas l'offenser. C'est normal. Tu vas pas dire à un pote qu'il est moche. Bon, à part s'il le prend bien, mais lui, je crois que. Bon, il était un peu sensible. Du coup. Alors. Mais par contre, ne faites pas ça avec vos amis moches, hein. Salut, brioche. Pardon, je dis des bêtises. Du coup, ouais, bonne idée, on va encadrer la pomme. Alors, ai-je du cuir? À l'autre. Quel autre? Genre lui, le tout beau! Non, non, on fait pas ça! Je l'ai fait hier en plus. T'es fou ou quoi? T'es fou ou quoi, Guétanous? Je l'ai fait hier, cet arbre-là. On va pas le péter, hein? On va pas le péter. Par contre, je vous avais dit qu'on fera plein d'herbes custom dans toute la prairie, je pense, pour faire vraiment un beau paysage. Hop. Voilà. On va faire un cadre. On va le mettre où? Des attentats sur Minecraft. Mais non, pas du tout! Pas du tout! Elle clash l'arbre. Bon, en même temps, comme ça, il peut pas répondre, tu vois. Ah là là. À toute Clément! Bon, alors, on va lui mettre donc la pomme. C'est bien, on a encore des panneaux. Ben, je pense qu'on le transmet à lui, la pomme, du coup. Hein. Ça, il nous fera des pommes, celui-là. Allez. Et on va mettre en mémoire de l'arbre volant. Est-ce que ça va rentrer? Volant, mort, sous les coups de. Mince. Enfin, il a explosé en vrai, hein. Sous les coups de TNT. Voilà. Voilà. Ça vous va? Pimp my arbre. Ah, c'est vrai. Bye Panda Gaming. Bonne soirée. Mais non, mais non. Ah là là, bon, bah c'était marrant en tout cas. On aura fêté notre mort. Bon, du coup, je n'ai plus de niveau, mais comme je vous ai dit, j'ai bien fait d'enchanter avant. Je pense que j'ai eu quand même une bonne étoile parce que j'aurais perdu 31 levels. J'aurais été carrément plus deg, je pense. Bon, du coup, on va faire quoi aujourd'hui? Bonne question. J'aimerais bien qu'on commence la salle des coffres, mais malheureusement, j'ai pas assez farmé. Ah, autre chose, faut que je vous montre en fait. Vous savez, hier, on a planté de la netherwort au niveau du spawn. Parce que je vous disais, ouais, les spawns des mondes, ils sont toujours chargés et tout. Et en fait, j'y suis retournée hier, au bout de je sais pas combien d'heures de jeu. Et je me suis rendu compte que ça avait pas poussé. Donc je l'ai changé, je l'ai mis sur le chunk vraiment du départ. Donc on va voir si ça a poussé. Et il va faire nuit, donc il va falloir que je dorme. Ouais, ça pousse pas, regardez. Vous vous souvenez, on l'a planté hier? J'ai jamais récolté encore. Hein. Bah là, ça a pas poussé. Celle-là, elle a poussé. Celle-là, elle a poussé, mais c'est tout. Et du coup, j'ai mis sur le chunk vraiment. Quand on fait F3G, ça, c'est le chunk vraiment de spawn. Et bah, ça pousse pas. Du coup, je comprends pas. Parce que le serveur est allumé et tout, et la wart ne pousse pas au spawn. Donc je ne comprends pas. Donc si quelqu'un sait, dites-moi, mais là je vais juste l'enlever d'ici en fait, parce que ça a jamais poussé. Bon, du coup j'ai tout dégueulassé, faudra que je nettoie ça avec ma pelle là. Ah, sacrée pelle. Elle nous en a fait voir des trucs. Hein. Déjà, on est mort à cause d'elle. On ramasse tout ça, je vais aller dormir s'il fait nuit. Hop. Quoique maintenant je crois qu'on va commencer à vivre la nuit, hein. En vrai, on a des flèches. En vrai, on essaye de vivre la nuit, ça vous dit? F3G. Le seul truc que j'aimerais pas, c'est perdre tout mon stuff. Admettons, s'il y a deux creepers et qu'il y en a un qui me pète dessus. En fait, on s'en fout, on peut vivre la nuit maintenant. Oula, il y a plein de squelettes. La 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 la. Et le truc aussi, c'est genre si je meurs dans un lag, ça va me faire grave rager. Mais bon. En vrai, on va essayer de vivre la nuit, ok? Ce sera notre première nuit dehors. Hein.
Là, je vous le dis, j'ai jamais passé la nuit dehors encore. Donc bon, on va tester, on va voir ce que ça donne. J'ai surtout peur qu'il y ait pas mal de restes de creepers en fait. Parce que quand ils spawnent ceux-là, bah, même s'il fait jour, ils ne despawnent pas. Du coup, c'est embêtant et j'aimerais pas qu'il y en ait qui spawnent dans la maison. Je pense avoir fait un assez bon éclairage, mais comme on est en hard, les mobs spawnent à 7 d'éclairage, je crois. I have a TNT, I have a tree. I have a tree. Boom! No more tree. Ah là là. Ça pousse mieux avec de la lave à côté, je crois. Ah ouais? C'est vrai? Je sais pas du tout, hein. Enfin, j'ai jamais fait de commande récolte de ça, donc... Je sais pas du tout, quoi. Mais non, Topix! Ne répète pas mes bêtises. Ouais, je suis morte, là. Ça y est, c'est bon. Je vous ai dit, ça va me libérer, délivrer. Lol. Ah là là. Attendez, j'ai fait un truc. Je suis en train de regarder mes messages Instagram en même temps. Attendez, je reviens sur le chat. Voilà, c'est bon. Mais oui. Bon, ouais, je suis pas nulle non plus. Hein. Quand même, fais-le, hein, passer 40 heures de jeu sans crever sur une survie. En mode hard en plus, sans régène de cœur. Du coup, des torches. Bah, du coup, je pense que les. Coucou Taku! Go trouver une jungle. Ouais, grave, il me faut une jungle. Mais je pense que ça va être un peu chaud. Ça va être un peu chaud. Hop. Je ferai peut-être en vidéo, limite, la recherche de la jungle. Parce que, du coup, en vidéo, je peux faire des ellipses. Que là, en live, vous êtes obligé de me regarder galérer dans les contrées lointaines. Bon, de toute façon, c'est pas mal éclairé, donc ça devrait pas trop spawn chez nous. J'espère. J'espère. Re Clément! Re. Bon, du coup, il va falloir que je plante mes machins, là. Donc je pense qu'on va se faire peut-être plutôt... Plutôt en sous-sol, non? Plutôt en sous-sol, je sais pas trop. Ou parce que si on se fait ça là, c'est pas très esthétique, quoi. On se fait ça là. Là où je suis morte du gravier. Genre ici. Ça va vite, hein. Ça va tellement vite, cette pelle. Regardez-moi ça. Incroyable. Et ouais, du coup, je sais pas trop si ça pousse plus vite quand c'est près de la lave. Parce que, genre, dans le nether, quand on la collecte, y a pas de lave à côté, quoi. Donc je sais pas. Je sais pas trop. On va faire un truc propre, quand même, hein. Pas tout dégueulassé non plus. On crée peut-être une torche. Hop. On va mettre notre wart. Bah ici, de toute façon, je suis sûre qu'elle poussera. Vu que je passe pas mal de temps dans le coin. Et que de toute façon, on va aller faire la salle des coffres et tout après, plus tard, quand on aura nos blocs. Faudrait que je ferme du quartz aussi, mais je pense que je le ferai un peu hors caméra. Parce que c'est plus simple, enfin pour farmer des trucs comme ça, c'est plus agréable, je pense. Hop. Tiens là. Mettre de la terre. Voilà, merveilleux. Et on va replanter tout ça. Bon, j'espère qu'elle va pousser ici, hein, parce que le spawn m'a vraiment déçu. Pourtant, j'ai toujours entendu dire que au spawn du monde, il restait chargé. Alors, je comprends pas. Je comprends pas du tout. Je comprends pas. On verra. On verra si ça pousse. Je pense que ça va mieux pousser quand même. J'ai un petit ralentissement. Attendez, je regarde vite fait. Je regarde vite fait. Ah, au fait, je vous ai pas dit pour les bordures là. Pour les cacher ou les montrer. Vous faites F3 et G. Donc c'est depuis la 1.10, je crois, si je dis pas de bêtises. F3G pour voir les bordures. Ça se trouve, ça existait avant, mais moi en tout cas, je l'ai découvert en 1.10. Hein. Je savais pas que ça existait avant. Planou, tu trouves un oslo et tu le domptes. S'il est argenté et seulement s'il l'est, tu le renommes redoutable. C'est une vieille histoire, un vieil ami, ça me ferait plaisir de le revivre. Hein, de le voir revivre. Mais. Comment tu veux qu'il soit. Salut Yana Waters, ça va bien? Comment tu veux qu'il soit argenté?
Argenté. Tu veux dire ceux qui ont le pelage roux, non? Ceux qui ont le pelage roux? Les chats au pelage roux? C'est ça? Ou alors j'ai rien compris? J'ai peut-être rien compris. Donc on aura tout ça à ranger. Pouh, il y a du bazar là-dedans. Hop. J'ai ça à enchanter aussi, mais du coup ça va pas être pour maintenant la pioche, hein, écoute. Hop. Ah, le bois, il nous reste ça. Ok. Regardez, c'est tranquille la nuit finalement. Je crois que je vais tout le temps arrêter de dormir. Hein. On va chasser des trucs. Peut-être quand il fera jour, on va chasser des creepers ou des... Qu'est-ce qui peut être intéressant à chasser? Des Enderman, il m'en faut. Il m'en faut pour faire des... vous savez, des trucs là, des yeux du néant. Des Under Eye. Pour ensuite chercher le portail de l'End. Du coup, faudrait qu'on chasse un peu. Il n'y a personne là. Pam. Allez. Seul truc, c'est que j'ai peur de laguer et du coup, on crève, quoi. Mm-hmm. Pas mal de zombies, hein. Regardez-moi ça. Je crois qu'ils détectent à genre 60 blocs, un truc comme ça, les zombies. Et quand ils sont chauds, ils peuvent faire spawn d'autres zombies. Genre quand vous les tapez une fois sans les one-shot, ils peuvent faire spawn d'autres zombies, ils les appellent, je sais pas quoi. Ah ouais, d'accord, les autres ils se prennent pas... Oula, ah oui, il a appelé un autre. Les autres ils se prennent pas... regardez. Ils se prennent pas le fire aspect. Attendez, regroupez-vous les potes là, parce que... Ils prennent pas le fire aspect sur les côtés. Je voulais essayer le sweeping machin, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ils sont pas mis comme je voulais. Hop. Bon, ça spawn pas non plus de ouf, hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait tant de mobs que ça. Ou alors il despawn. Ah, saloperie. Saloperie. Là par exemple ça lag et ça va pas me plaire si je crève. Hop. Oh, il y a un creeper en plus. Il est mort. Attendez, on va couper la musique. Alors en fait, le mouvement avec l'épée, il se fait tout seul. Il se fait tout seul quand vous êtes... vous savez, quand vous chargez, là. Vous avez le truc en bas, là, sur la haute barre. Eh bien, le mouvement avec l'épée, il se fait tout seul. Et le sweeping edge, en fait, ça permet, a priori, de faire plus de dégâts sur les mobs qui sont sur les côtés, en fait. Méfie-toi, les déserts et les plaines sont de vraies usines à mobs naturels la nuit. Ouais. Mais du coup, je pense qu'il va falloir qu'on se balade un peu la nuit pour farmer les under perles. Pour avoir des yeux de machin, là. Pourquoi ça lag? Est-ce que c'est le serveur ou est-ce que c'est moi? Je sais pas si c'est le serveur ou moi. Je sais pas. Peut-être les entités, hein. Avec tout ce que j'ai... On n'a pas l'habitude de se balader la nuit, donc ça se trouve... On va tuer. Maintenant, il faudrait pas que je les tue, les lapins, en fait. Faudrait que je fasse aussi un enclos. Pour avoir des pattes. Des papattes. Donc, en fait, ouais, le mouvement avec l'épée, il se fait tout seul. Par contre, j'ai bien l'impression que ça despawn pas mal. Parce que ici, il y a des creepers et là, il n'y a plus rien. Le marais aussi, je pense que ça peut être pas mal au niveau des mobs. Mais le mieux, ouais, je crois que c'est le désert. Je crois que le mieux, c'est le désert. Limite, on se ferait des potions de force et on restera... potions de force et potions de speed. Et puis, on restera une nuit. On prendra genre 2-8 minutes. Ou une 8 minutes, en fait, ça suffit pour la nuit. Une 8 minutes de chaque et... bah, du coup, ce sera pas une force 2, quoi. Ce sera une force 1. Et bah, on peut faire ça, ouais. On peut faire ça. Genre, on prépare. D'ailleurs, elles sont où, mes potions, là? Voilà. On prépare tout et puis on reste la nuit dans le désert pour essayer de farmer les Endermen. Par contre, je pense qu'on va pas le faire ce soir parce que j'ai l'impression de lag un peu et j'ai pas envie de risquer mes fesses. On va aller faire ça, on va faire des potions de force. 8 minutes, la raid.
Ok, et on a dit potion de quoi? Potion de speed. Il me faut du sucre. Il me faut ça. Et il me faut. Eh bien, des fioles. Des fioles. Des fioles. 1, 2, 3. Irons au bois. Hop, des fioles. D'ailleurs, dans notre cuisine, ah si, on a un chaudron. On n'a pas de source infinie. Pas grave. Pas grave. Tant on a eu dans les achievements. Ah, je vais vous montrer dans les achievements. Alors attendez. Dans quoi déjà? Achievement, voilà. Alors. La couleur du poil est random. Peut y en avoir des argentés? J'ai jamais vu argenté. Hein. Je sais pas. Je sais pas trop. Elle pousse dans l'obscurité. Bah non, parce qu'elle pousse devant la maison. Non, non, elle pousse, tu sais, devant l'autre maison, elle pousse. Donc, non, t'inquiète, Wolfie. T'inquiète. Pelage gris argenté. Tu veux dire les noirs et gris? Ah non, ceux qui sont gris et qui ont les yeux bleus? Non? Je sais pas. Je sais pas. Bon alors, du coup, on va regarder. Alors, les achievements, j'ai fait enchanteur, j'ai fait librairienne. Overkill, on l'a fait l'autre fois dans le Nether, on l'a fait en live d'ailleurs. Diamond, bah ça, je risque pas de le faire. Faudra que j'invite un player. Ok, et ça, il faut faire 1 km de minecart. 1 km de minecart. Non, non, mais la ward devant la maison, elle marche bien, donc. Enfin, elle pousse bien. Là, the end. Donc là, il faudra qu'on aille dans l'end. Ensuite, il y a quoi? Ça, ce sera avec après, quoi. Après. Ok. Bon, ça sera après. Là. Eat a notch apple. Donc ça, faut qu'on trouve une pomme de notch et qu'on la mange. On la mange. Et sniper duel. Donc ça, il nous manque ça. Faut tuer un squelette avec une seule flèche à plus de 50 blocs. Il y a ça. Fly a pig. Janou gris aux yeux bleus. Ah oui, bah je vois lesquels c'est. Ouais, je vois. Je vois, ils sont trop mignons ceux-là. Ils sont trop mignons. Donc fly pig machin, et voilà. Mais je pense que nous, on se fera une salle en dessous. On se fera une salle en dessous où on va faire en fait une salle d'objectifs qu'on fera en survie. Mince, bah du coup les fioles j'en ai pas besoin parce que je viens de voir que j'en avais là, mais par contre mon alambic n'est pas comment on dit, n'est pas alimenté. Donc il faut que je reprenne ça. Ah, flûte. Hop. Donc on va faire les potions, comme ça une prochaine fois on pourra les farmer dans le désert. Hop là. Là ça lag un peu ce soir donc je préfère pas trop faire de PVM, on va rester tranquillement. Donc là vous voyez que c'est la jauge d'alimentation de mon truc. Donc là tant que c'est plein, c'est que c'est bon, ça va continuer à faire les potions. Donc ça c'est 1,10. Mais non Dark Mode, voyons. Mais redoutable et spécial, premier sergent de la garde féline de Baerlin. Ah, de Balaerin. Ok. Glou glou glou. Ça a fait glou glou glou. Donc là, vous voyez qu'elle est 3 minutes. Donc pour l'allonger, on met une redstone et ça va l'allonger à 8 minutes. Sachant que la nuit dure 7 minutes, je crois. Un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. 7 minutes. Et le jour, c'est genre 10 minutes, je sais plus. Ouais, je sais pas trop, Topix, je sais pas trop. C'est pas prévu pour le moment, Manoué. Alors, 8 minutes, ça c'est bon. Hop. Et on va faire des speeds. Donc là, on en a 3, on a de quoi faire. Des speeds, donc les speeds, c'est avec du sucre. Vous prenez une canne. Hop, là, ça fait du sucre. On attend que ça ait fini. Tout à coup, il passait du côté obscur, grave. C'est le taku obscur. Ça veut rien dire. Oh là là. Salut les gens pig. Va bien. Alors on met du sucre. Donc là ça va faire des speeds simples.
de 3 minutes et on va également l'allonger avec la redstone. Donc j'en profite comme ça pour regarder mes notifications. Ok, et donc là on l'allonge. Là vous voyez, c'est une 3 minutes. Et ça va passer à 8 minutes. Et comme ça, on pourra farmer toute une nuit. Surtout qu'on en a 3, donc c'est largement suffisant. Ok. Hop. Voilà, blou glou glou. Ça, c'est fait. Vous voyez que ma jauge là, mince, ma jauge d'énergie, elle a baissé. Ça, faut faire attention. Mais ça va, de ce que j'ai vu, c'est quand même relativement bien, quoi. Parce que vous mettez une machine, vous pouvez faire quand même pas mal de potions. Je sais pas combien exactement, mais j'ai l'impression qu'on en fait pas mal. Ok, donc ça, du coup, on va se le laisser de côté. Et ce sera notre kit pour farmer la nuit. Donc on ira peut-être avec la looting, hein. Parce que, vous voyez, Enderpearl, j'en ai qu'une. On va se faire tout de suite, je pense, l'Ender Chest. J'ai pas réfléchi encore où est-ce que je vais le mettre. Hop. Ah, mais non, c'est avec une. Attendez, j'ai mal fait. J'ai mal fait l'Ender Chest, c'est pas avec une Ender Pearl, c'est avec une Ender Eye. Pour faire un Ender Eye, il nous faut ça. Hop. Vous prenez ça, vous mettez à côté et ça fait un Eye of Ender. Je disais un Ender Eye, mais bon, à peu près pareil. On va mettre les machins là. Voilà. Ça. On va mettre ici aussi. Ok, des œufs de poule. En veux-tu, en voilà. Ok, il y aura une poule en liberté devant chez nous, c'est pas grave. Hop. Du coup, on a dit qu'on faisait un Ender Chest. Ender Chest qui est très pratique, qui fonctionne un peu comme une banque. C'est un inventaire commun. On va le mettre où? On va le mettre ici, tiens. Voilà. Il est bien là. Bon, par contre, j'ai pas d'autres Ender Eye, donc pour le moment, on en aura qu'un. Mais quand on en aura un autre, si on a une Seal Touch, on l'a qu'en H encore. Si on a une Seal Touch, eh bien on pourra le récupérer, on pourra les farmer avec et tout, ça va être hyper pratique en attendant qu'on ait les Shulker Box qui sont tout nouveaux. Enfin, toutes nouvelles plutôt. Hihi. Les tutos popo. Ah, tu connais pas les potions Pinomo? Ah bah ça tombe bien. Ça tombe bien, bah maintenant tu sauras faire une potion. Tu sauras faire des potions de force, 8 minutes. Et potions de speed, 8 minutes. Si tu veux faire du force niveau 2, à la place de la redstone, tu mets ça. Tu mets de la glowstone. On a fait, donc tu vois, on a mis des bouteilles d'eau, on a mis ça. Ensuite, pour le sucre, on a mis. Pour le speed, on a mis du sucre. Et ensuite, on a mis de la redstone. La redstone, ça prolonge dans le temps. Et si tu mets à la place de la redstone une glowstone, ça prolonge de niveau en fait. Enfin, ça monte de niveau. Ça ferait une potion de speed niveau 2. Mais qui dure, je crois, c'est 1 minute 50. Un truc comme ça. Donc voilà. Bon, les potions après, c'est un peu du par cœur quoi. Mais bon. De toute façon, t'as toujours les crafts que tu peux regarder. Oui, j'ai mangé! J'ai mangé, j'ai mangé! J'ai mangé hyper tôt pour le coup, donc ça se trouve j'aurai encore faim après le live, mais bon. En fait, soit je mange hyper tôt, soit je mange hyper tard, donc bon. Merci Free. Ah, t'as tout compris. Ah là là. Bonne nuit Anaki. Bonne nuit. Ok, bon. Du coup, on va ranger ça. Bon, ce sera un petit live tranquille détente, hein. Hier, on a bien bossé, on a fait tout le jardin et tout. Donc ici, je vous avais pas montré, si je vous ai montré ou pas, j'ai fait les placards. Donc comme je vous avais dit, hop, des petits placards. Ici pour mettre un équipement, voilà. Il me semble qu'un porte-armure j'en ai mis ailleurs. Ah, attendez, on va enlever ça, la feuille. Hop, j'en ai mis un ailleurs. Est-ce que ce serait pas en haut? Non, j'en ai mis un autre part, mais je me rappelle plus où. C'est bête. Par contre, ça pousse bien là. J'avais dit que je mettrais un fil, mais à chaque fois que je monte, j'ai pas de fil. Du coup, bon. Du coup, ça va faire que de pousser. Je sens que ça va m'embêter à chaque fois. Hop. Donc, les petits bouts, vous avez vu, on les a mis dans le grenier. Et la salle des coffres. Je vais vous montrer du coup l'entrée que vous n'avez pas vue.
Ah bah voilà, il est là, l'autre porte-armure. Il est là. Donc, je réexplique pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui n'étaient pas là. En fait, cette salle des coffres, cet accès, s'ouvre en fait grâce à un levier qui est à l'extérieur. Bon, je suis en solo, c'est pas forcément très utile de cacher sa salle des coffres, mais bon, je l'ai fait parce que voilà, je trouve ça plus sympa. Donc, en gros, la salle, ce sera ici. Donc là, j'avais mis un truc avec de l'eau, mais finalement, ça va pas servir. Au niveau de la déco, je pense qu'on va faire quelque chose dans les tons rouge, rouge, orangé, jaune. Donc on va utiliser des magma blocks, on utilisera des wart blocks, enfin je sais plus comment ils s'appellent, nether wart blocks, un truc comme ça. On utilisera aussi pas mal de quartz. Donc va falloir que je ferme tout ça. Je pense que je vais fermer tout ça hors caméra, comme ça ensemble on aura juste à faire les patterns et tout, à chercher les patterns. Je pense que je vais utiliser de la lave aussi. Ça sert à quoi une maison si tu dors à l'extérieur? Mais oui, mais en fait j'ai fait ma chambre hyper haut, du coup à chaque fois je suis obligée de grimper et tout. À chaque fois je suis obligée de grimper. Pour être encore plus détendue, une séance de pêche peut-être. Ouais, pourquoi pas, c'est une bonne idée aussi. C'est une bonne idée aussi. Ah là là. Donc du coup, je pense que une fois la salle des coffres faite, on fera des petites dépendances. Alors par contre là, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, c'est nickel. Donc en fait le centre, il est ici. Et donc pourquoi pas creuser en fait des salles. Et j'aimerais bien qu'on fasse une salle où il y aurait tous les objectifs en fait de la série. Vous pourrez me soumettre des objectifs et on pourra les réaliser ensemble et les cocher. Donc je vois un peu ça sous forme d'un tableau. Vous voyez un peu ce que ça peut être ou pas? Un genre de tableau d'objectifs. Et comme ça on évolue au fur et à mesure dans la série. Ça permet aussi de donner un cap et tout et d'avancer en fait concrètement. Je pense que ça peut me motiver aussi du fait d'accomplir au fur et à mesure des petites tâches, même des trucs tout bêtes, par exemple enchanter une épée full quoi, des trucs comme ça. Oula! Oh là, c'est pour ça qu'on entendait des mobs. Ouh, y a quelqu'un? Bon bah tant mieux, ça va me permettre d'éclairer une grotte, tiens. Pas plus mal. Oh, on a du fer. Par contre, ma pioche, elle va bientôt décéder, je crois. C'est pas cool. Elle a combien? 202. Ouais, je peux quand même miner un peu. Bon, surtout dans une grotte. Ouh, y a quelqu'un? Ah ouais, elle est quand même assez haute, cette grotte. D'accord. Oh, je serais tombé dessus un moment ou un autre. Hop, on éclaire. Oh, du charbon, je sais pas ce qui me manque. Attendez, je regarde le chat dès que possible. Là, je regarde pas trop parce que du coup, je suis concentrée dans mon exploration. Au cas où s'il y a un monstre qui arrive. Un peu de fer. Là aussi, il y a du fer. Ça a l'air de descendre pas mal. Ouh là là, oui. Ouh là là, c'est étendu. Oh là là, j'ai vu un creeper, non? Ah non. J'ai vu qu'il y avait un creeper. En fait, non. Du coup, comme ça va avoir bien spawn au-dessus. Ah oui, mais c'est hyper grand là. Wow. Il y a un creeper là-bas. Pas si on va continuer à explorer parce que. Oh, c'est très nécessaire quoi. Si on est en quelle couche? En couche 43 quoi, on va rien trouver ici. On va rien trouver à part du fer. Parce que je crois que l'or c'est sous la couche 30, non? Ouais, donc c'est pas forcément. On ira peut-être plus tard, mais bon, c'est pas forcément nécessaire quoi. C'est des grottes assez comment? Ah si, ça descend là. C'est des grottes assez hautes, du coup c'est pas forcément utile. Enfin, genre il y aura pas de diamants dedans quoi. Ah, pas de diamant. Bon, on va remonter, c'était par où? C'était par là. Bon, ça va, il n'y a pas tant de mobs que ça. Ça se trouve, ils ont tous spawn en haut. Éclairer un coup par ici. Alors, j'ai encore jamais fait péter de creeper, donc je me demande un peu ce que ça fait parce que sur ce serveur, il y a la case des blocs. Et en fait, je suis pas habituée à ce qu'elle y soit. Donc, ça va être. Pas tout nouveau, mais disons que ça va être inhabituel pour moi, quoi. Et pour le moment, j'en ai encore pas fait péter. Donc, bon, je l'ai fait à l'arc en général. Bon,
pas grand chose. Pas grand chose dans cette caverne, on va remonter. Donc je vous disais, un tableau des objectifs. Je vais remonter en sécurité et je vais lire ce que vous me racontez dans le chat. Parce que là, je ne lis pas du tout. Désolée. Hop. Hop. Fais sauter tous les champignons, oui. C'est moi qui arrive. Attendez, non, c'était là. C'était là, oui. Bon, il faudra fermer du coup ici. Ou on aménagera la caverne, je sais pas. Je sais pas ce qu'on fera. Bon, attendez, je peux lire vos trucs maintenant. Les mobs se sont barrés grave. Salut Herba. En grotte, ça va, la roche a un très haut taux de résistance. Ah ouais. Salut Dadal, bienvenue sur le live. Bienvenue. Ouais, on fera ça, on fera ça, on fera ça. Tu es une grenouille. Mais non, y a pas de grenouille. Y a pas de grenouille. Ah bon, Dark Mode, t'as parlé de moi en cours. L'or, c'est sous la couche 32. Ouais, donc 43, on risque pas de trouver de l'or, quoi. Bon, c'est pas grave. Bon, du coup, on va continuer de creuser un peu. Ma pioche va bientôt décéder, donc il faudrait que j'aille en faire une autre. Ça serait un peu mieux, je pense. Parce qu'on va l'approfondir de ce côté-ci. Ouais, ça fait un peu petit pour le coup, donc ouais. Je pense qu'on prendra un peu d'espace sur la grotte. J'imagine une salle dans les couleurs cyan. J'aimerais bien qu'elle soit assez circulaire. Du coup, ça va être un peu compliqué. Il va falloir qu'on creuse la grotte en fait. Est-ce que si j'allais chercher de la stone, ce serait pas mieux? On va se mettre des coffres aussi. De toute façon, ce sera à la salle des coffres ici. Donc, si je commence à mettre du bazar, c'est bon, non? C'est bon, c'est bon. Hop. Où est-ce qu'il y a du monde ici? Wouhou! Il y a du monde! Il y a quelqu'un? Non, il y a personne. Il y a personne! Allez, du bois. J'ai dit qu'il fallait quoi? De la stone. De toute façon, on a tout ici. Hein. Là, j'ai absolument tout, tout, tout. De la stone. Remarque, on pourra cacher avec de la dirt, parce qu'après, les murs, je vais les faire. Donc, autant prendre un matériau un peu pourri. Comme ça, quoique la dirt ça sert toujours, mais bon, on va prendre la netherrack aussi. On va prendre tous les matériaux pourris du monde, et comme ça, ce sera bon. On va refaire des torches. Hop, du charbon, il est là. C'est parfait, parfait, parfait. Et on voulait quoi? On voulait des coffres. Est-ce qu'on en avait déjà de crafté? Apparemment non. Apparemment, non, 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 non. Ah si! Si, si, si. Ah oui, au fait, j'ai réappris à faire des trapèzes chests. Donc attendez que je me souvienne. Je vais vous transmettre du coup ce que j'ai réappris. Donc il me semble que c'est un fer, un stick et un autre truc. C'est quoi déjà? Oh, ça y est, j'ai oublié. Ça y est, j'ai oublié. Un truc comme ça. Voilà, regardez! Voilà, j'ai réappris à faire ça, je me souvenais plus. Donc comme je vous ai déjà dit, la plupart d'entre vous le savent, je n'ai pas beaucoup joué depuis la version 1.8, voire début 1.9. Donc il y a encore plein de choses, enfin, il y a plein de choses que je ne maîtrise plus forcément comme avant. Par exemple les crochets, c'est un craft assez basique, mais j'avais complètement oublié. Voilà, bon après on revoit le craft et puis c'est bon, on s'en souvient quoi. J'aurais trouvé une phrase comme Unwin avec son légendaire. ouais. Ouais, le chat. Mais avant le chat, on a surtout l'objectif d'avoir du melon. Et ça c'est un gros objectif, hein, au stade où j'en suis. Parce que, bah, Mineshaft. Donc bon, on verra, on verra. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme ça. Donc c'est utile d'avoir des coffres comme ceci. Pourquoi? Parce que vous pouvez
en fait les coller, tout simplement. Donc ça va faire un vrai gain de place après dans la structure de ma salle des coffres. Alors, rangeons ça. Ce serait bien que je me mette un four ici aussi, mais je viens d'utiliser tout mon charbon. Ok. Bon, bah, on va y aller comme ça. Ah, j'aurais dû redescendre une pioche. En plus, c'est un peu chiant de remonter l'échelle. Ça va qu'elle est pas très. Elle est pas très profonde, cette salle encore. Qu'est-ce qu'il me fallait? Alors, il faut une pioche et quoi d'autre? J'ai dit quoi? J'ai peur de pas avoir assez de blocs. Bah du coup on va utiliser celle-ci, hein. Au pire on utilisera celle en fer aussi. Hop. C'est bien, c'est bien. Hop. Allez. C'est parti. Oh bah dis donc, j'ai 5 niveaux. Regardez. J'ai plus de niveaux que quand je suis morte, oui. Au pire c'est pas grave si elle meurt. De toute façon j'en ai d'autres des efficaces, non? Alors j'aimerais bien faire un truc circulaire, du coup disons qu'on part genre d'ici. Donc 1, 2, 3, 4, on va faire 5. Bon, je suis désolée là si c'est pas très clair, mais vous allez voir après. C'est pour faire en fait un cercle. Et c'est jamais évident de faire les cercles dans Minecraft, surtout quand vous partez d'un endroit déjà construit. Il faut tout 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 déconstruire. Hop, prendre ça. Alors, j'ai dit 5, on part du coup comme ça, ouais. 1, 2, 4, 5. Ah bah non, parce que du coup, ça va faire pair. Ah non, c'est bon. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ok, on part comme ça. Donc, ce côté-ci. Va essayer de faire un cercle, hein. Bon, j'espère qu'il va rendre plutôt bien parce que c'est jamais évident. Quoique, j'ai peut-être vu un peu gros, hein. Je pense qu'on va plutôt faire 3 que 5. Parce que ça va faire gros sinon. Ça va faire gros. Surtout pour une salle comme ça, bon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6, ça fait 7, ok. 1, 2. Ah là 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 là. Faites des cercles avec Flanou sur Minecraft. Oh! Ah. Faites des cercles avec Flanou. Est-ce qu'on met 3 ou est-ce qu'on met 2 en diagonale? Je dirais 2. Ça fait un peu petit, on met 3. Mettre 3 en diago. Tu fais une salle au petit ou juste des coffres posés comme ça, sans forcément chercher? On va faire un rangement et tout. Mais là, en fait, cette salle-ci, on va pas la faire aujourd'hui parce que. J'ai pas les blocs qu'il me faut pour faire mon pattern parce que j'ai prévu de faire une jolie décoration sur la salle des coffres. Donc on va pas le faire aujourd'hui, mais on va commencer à creuser là la salle où il y aura en fait les objectifs de la série. Donc où il y aura par exemple trouver une jungle, trouver du melon, renommer un chat, des trucs comme ça. Ok? Salut Sarah Nanas! Si, mais je fais de temps en temps des lives pas prévus. Bon, je me limite pas quoi, genre si j'ai envie de lancer un live. Puis là c'était quand même un truc un peu exceptionnel vu que on est mort pour la première fois sur la série. Donc on fait un live. Alors on a dit quoi? On a dit 7. 1, 2, 3. Ouais, ça va faire déjà pas mal grand. 4, 5, 6 et 7, ok. Ouais, ça va faire grand, ça va faire grand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a dit 3, 2, diago. 1, 2, 3. Vous voyez, ça fait grand, hein. Ça fait grand. 1. Non, il est pas bon. Il est pas bon le dernier. Oh, j'ai entendu le bruit qui fait peur de Minecraft. Le truc qui fait. Genre, attention, tu vas mourir. Bon, après, on minera tous les trucs qui entrent. Donne-moi ça. Peut-être éclairer un peu aussi. Parce que le bruit là, il m'a dit que j'allais mourir. Moi j'ai dit non, mais oh, ça va quoi. Soleil! 1, 2, 3, soleil! N'importe quoi! N'importe quoi! Hop, hop, hop. Donc ici, pareil, on part sur 7. Attention, apprenez à compter jusqu'à 7 avec Flanou. 1, 2, 3, 4, 5. 6 et 7.
Je parie que j'ai plus de place dans mon inventaire, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ok, donc oui, pour l'instant, les coffres sont posés un peu n'importe comment, hein, en bas. C'est normal, on rangera plus tard. Pas le temps de niaiser. Bonne nuit, Herba. Bonne nuit. Tu regardes Flanou, de quoi? Je dois aller me coucher. Bonne nuit, Dan. Bonne nuit. Il y a deux personnes que j'aime qui live en même temps, je fais comment? Bah, t'achètes un autre écran. Non, je sais pas. Tu entraînes ton cerveau à te concentrer sur deux choses, non? Je sais pas. Bon alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Donc on vient dans l'angle. 1, 2 et 3. Ok. J'espère que je me suis pas plantée, hein. Parce que là, attention. Allez, c'est reparti. On compte jusqu'à 7. 1. Donc notre 1 est là, hein. Creuser. De toute façon, on devrait retomber sur notre machin. Voilà. Voyez, regardez-moi ça, la précision. PGM. Hop, hop, hop. Ça a bien éclairé là. Ça a l'air suffisant. Hop, hop, hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parfait. Donc, mon cercle est bon. Et en fait, avec notre truc là, notre pattern, on va juste monter les murs autour. Et voilà, donc ça nous fera notre salle. C'est quand même pas mal grand, hein, regardez. Ça va faire tout ça. Je sais pas comment on va organiser les panneaux, je pense les mettre sur les murs, sur les côtés. Je pense que ça rendra pas mal. Par contre, il faut que je creuse encore un dessous. Oh, ma pioche va rendre l'âme. Pas si je fais bien de l'abîmer, mais bon. Faudrait que j'aille chercher une autre. J'ai d'autres efficaces en fait, vous savez, dans la première grotte là. J'en ai d'autres, donc bon. Hop, 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 hop. Vais aller chercher une autre. Parce que j'ai pas envie de péter celle-là en fait. Enfin, même si je la répare jamais, c'est le principe quoi, j'ai pas envie de la casser. Hop, on éclaire. Pas qu'il y ait de monstres horribles qui viennent nous enquiquiner. Voilà, bon, on va remonter. Pour redescendre, pour aller chercher. Salut Verdox, bienvenue sur les lives. Bienvenue! Hop, on remonte. On va aller chercher une autre pioche. J'ai envie de casser celle-là. Juste par acquis de conscience, quoi, parce que sinon. On laisse ça là. Alors, ah bah regardez! Ici ça pousse! Ici ça pousse bien. Du coup, je pense que j'en mettrai un peu plus, quoi. Salut Noodle! Bienvenue sur le live. Parle pas allemand, donc tu peux dire ce que tu veux. Allez, on déchant, wouhou! Allez, une pioche. Pioche sur un mur qui picotait du pain dur. Quoi? J'ai pas de... Ah ouais, ok, c'est comme ça ici. Soit une fortune 3. C'est chiant. Ou celle-là. Prendre celle-là. Fortune 2. Efficate. Ça coûterait combien à réparer? Je crois que ça coûte que 3 en vrai. Hein. Je suis une grosse radine là. Mais il me faudrait du mending aussi. Mais non, Wolfie, voyons. Pourquoi tu veux ça? 7. Oh, ça coûte 7. J'ai que 5. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, je vais miner un peu. J'ai miné un peu de machin là. Je m'étais mis des machins de côté. On a miné avec la Seal Touch. Puis on va la réparer, hein, tout simplement. Des piédestals un peu partout. Bon, on verra comment on fera. En tout cas, je pense qu'au niveau des couleurs, on utilisera du cyan et du quartz peut-être. Ou peut-être de la sandstone, je sais pas. Parce que le quartz, ça va être cher quand même, hein. Déjà, on va faire la salle des coffres en quartz. Ça va bien nous coûter une blinde. Pas combien? 6. J'espère qu'il va pas augmenter là le prix de réparation. Je suis en train de l'utiliser. Et on a 7. On va voir ça. Oh, j'entends un zombie. J'entends un zombie. Hop, hop, hop. 7. Ok. Bon, ça coûte quand même cher, hein. C'est pas donné non plus. Je crois que c'était genre 3. Un... Mais en fait, ça dépend des enchantements. Ça dépend de ça.
Je suis flanou. Je suis flanou. Du coup, on range ça. Donc c'est bien, vous voyez, je me garde un peu des trucs comme ça de côté. J'ai ça aussi, je pense qu'arriver à un stack, on le fera ensemble. On le minera ensemble et on verra combien on a de diamants avec la fortune 3. Allez, on remonte. Fait que je démolisse aussi la maison qui est juste au-dessus, là. Mais finalement, je sais pas trop. Pas trop. C'est quand même l'entrée de ma mine, hein. C'est quand même l'entrée de ma mine. Je pense qu'on va la garder ici, de toute façon, la mine. Ah, il fait nuit. Mais en même temps, elle est tellement moche, cette maison, quoi. Et j'ai pas du tout envie de l'améliorer. J'ai la flemme, du coup... Ouais, mending. Et oui, faudra que j'aménage aussi le spawner à zombies. Alors par contre, comme je vous ai déjà dit, mon niveau en redstone est plus que débutant, donc ça va être rigolo, je pense. Surtout avec les zombies qui vont sauter partout et tout, qui voudront manger. Ça va être bien drôle. On a pas mal de choses à faire, hein, on a pas mal de choses à faire. On va commencer, si on a le temps, à écrire des petits panneaux. Attendez, on en a un panneau. On va mettre... jungle. Ah bah non, parce qu'après, si je pète le truc, si je pète le sol... Attendez. Bon, c'est pas grave, on le réécrira au pire. Ou au pire, on se le met derrière, comme ça on dit que c'est les coulisses. Les coulisses de la salle. Alors, jungle. Ensuite, on a dit chat. Ensuite, on a dit spawner aménagé. Mon spawner à zombies, là, que je vous ai montré. Ah, merci. Merci, Verdox. Si tu veux savoir comment la faire, la maison, on l'a faite ensemble en live. Donc il y a la rediff sur ma chaîne. Si tu veux voir comment on a procédé. On m'a dit quoi d'autre en dernier? Bah déjà finir la salle des coffres. Hein, parce que déjà ça va prendre du temps. Hein. Salle, la coffre, ok. Voilà, je sais pas si je m'en souviendrai, mais bon, on a mis le panneau. Allez, du coup, je vais enlever une couche. Ici, ce sera la base. Je sais pas encore comment on va faire. Je ferai sûrement un motif circulaire aussi. Bien sûr, la netherrack, on la remplacera. On la remplacera par des blocs. Et en fait, on va monter... je sais pas combien de plafonds on va monter. Je pense que 3 minimum, c'est pas mal. Maximum, je sais pas. On va voir. Donc là, on remplira tout cette bloc. Et ici... Hop. Hop. Là. On remplira tout ça de blocs, donc les blocs qu'on voudra pour faire les motifs. Ici. Ici, on va juste fermer, en fait, comme ça je vais être tranquille. Hop. Voilà. Puis on va creuser un peu le plafond. Je pense que c'est pas mal, 3 de hauteur. 3 ou 4, on verra. On verra. De toute façon, on est quand même assez haut là, hein, donc bon. Ça va. Pas vraiment besoin de redstone pour aménager un spawner. Tu peux faire des usines sans une poudre de redstone. Bah on verra. Bah je suis pas très... Moi, aménagement de spawner et tout, pareil, j'ai pas trop de connaissances là-dessus, donc on verra ensemble. Mais je pense pouvoir réussir un petit truc simple, quoi. Faudra que ce soit très très simple. Je pense qu'on... J'ai pensé au système, vous savez, quand on met des panneaux là, qu'on fait monter les zombies et qu'on les fait redescendre avec de l'eau et qu'ils se prennent des dégâts de chute et qu'ils tombent à un demi-cœur. Et du coup, après, on a juste à taper une fois pour les avoir. Mais alors, le problème que je vois à ça, c'est si je veux des PNJ. Mais d'un autre côté, j'ai déjà découvert genre 4 villages. On va pas se refaire des PNJ en plus, non? Je sais pas trop. J'ai pas encore vraiment réfléchi au truc. Donc de toute façon, on verra. On verra, mais je pense faire très très simple. On fera pas un truc hyper au petit machin, mais juste histoire d'avoir des niveaux. Et voilà, ce sera déjà pas mal. Peut-être après, si mes compétences évoluent et mes connaissances évoluent là-dedans, on pourra faire des trucs plus au petit. Ok. Du coup, je commence à réfléchir aux blocs qu'on va mettre. C'est quand même un espace sympa, hein. C'est pas mal, hein. On va juste creuser un peu là. 1, 2, 3. Ouais, il faudrait 3 de plafond. Au moins ces blocs-ci, on les vire. Eureka! Avoir un chien et le rename Okami. Les chiens, je pense que ça va pas être trop difficile.
Et je pense que limite, quand on en aura, on se fera des hordes. Et on les emmènera avec nous dans les grottes. Alors les chiens, ils meurent facilement. Mais par contre, c'est trop trop bien dans les grottes parce qu'en fait, s'il y a des squelettes ou des zombies ou quoi, ils vous nettoient complètement la grotte. Et ils vous libèrent en fait le passage. Donc après, vous avez juste à venir tranquille et c'est bon. Tout est nettoyé, tout est clean, il n'y a pas de mobs. Par contre, je suis pas sûre qu'ils s'attaquent aux creepers. Ils s'attaquent uniquement aux squelettes et aux zombies. Mais avoir un chien, je pense que ça sera pas trop dur. Alors par contre, le problème... Ah mais non, en fait, ce sera pas un problème. Parce que j'étais en train de me dire, les lamas crachent sur les loups. Mais du coup, ce sera pas un souci si les chiens sont apprivoisés. Logiquement, les lamas, ils vont pas leur cracher dessus, quoi. ça fera pas la guerre entre les espèces. Bon, bah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, bah, je pense qu'on va aller farmer un peu de laine cyan en haut. Et puis, on se laissera là pour le live. Live pas prévu. Ça fait déjà combien de temps? Ça fait plus d'une heure. Plus d'une heure qu'on est en live. On va tranquillement farmer de la laine. Et puis, je vous invite, pour ceux qui n'auraient pas vu, d'aller voir ou revoir la vidéo de ma mort. On va aussi ramasser ça, hein, parce que tant que c'est poussé, c'est toujours ça de pris au niveau de la récolte. Comme ça, je peux remettre à pousser, c'est pas mal. Voilà, là, bah, j'aurais dû faire ça depuis le début, hein, parce que, dis donc, ça pousse pas là-bas. Enfin, ça pousse pas au spawn. Un peu de lumière là. C'est bizarre quand même, c'est bizarre. J'ai toujours entendu que les chunks de spawn étaient chargés. M'a-t-on menti? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça me semble vraiment drôle. Je crois que j'aille me renseigner. Ou alors ça a peut-être changé au fil des versions. Hein. Mais il me semblait vraiment que les chunks de spawn étaient les chunks toujours, toujours, toujours chargés. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Hop, hop. Il fallait que ça arrive. Oui! Fallait que ça arrive. Allez, allons farmer la laine. Bah limite, on va les reproduire en même temps, les moutons. Ils ont dû me faire des œufs aussi, ouais, c'est cool. On pourra craft des gâteaux, ce genre de choses. Hop. Planton. Plantons, plantons, plantons. On n'est pas si embêté que ça par les monstres. Hein. Dis donc. Parce que j'ai pas mal éclairé, je pense aussi. J'ai pas mal éclairé. Puis comme ils spawnent à plusieurs blocs, et bah voilà. C'est plutôt tranquille, quoi. Plutôt tranquille. Alors, on va aller reproduire les moutons. Et puis, on va farmer la laine. Hop, 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 hop. Manger, 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 manger. Manger. Mmh, mmh, le bon blé. Le bon blé. Oh, regardez-moi ça, le bon blé. Miam, 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 miam. J'ai un mouton rose, quoi. Hop. Par contre, vous êtes en train de me coincer, là. En train de tous me pousser, là, n'importe comment. Allez, les moutons. Allez, donnez-moi de la laine. C'est parfait, merci. Donc, l'alien scient qui sera pour la salle des objectifs qu'on vient de préparer. Donc, on a préparé la surface. Et voilà, c'est déjà une bonne chose de faite, je pense. Il y a quelques ralentissements. Je sais pas si c'est les entités qui font ça. Je sais pas. Pas du tout. Je sais pas du tout. Pas du tout, du tout. Bon, ça va vite la laine, hein. C'est cool. C'est cool. Ouais, on est 365. C'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Va falloir que je change ma story sur Instagram. Regardez, toute la laine qu'on a déjà. Oui! Bah d'ailleurs, on pourrait peut-être même déjà commencer un petit pattern et puis on remplira au fur et à mesure. Limite, on peut mettre aussi avec des variantes de stone en fait, hein. Plutôt que vouloir faire quelque chose de clair, quartz et tout. On pourra faire cyan avec des variantes de stone, pourquoi pas de la clé cyan aussi, que j'aime beaucoup. Ouais, on peut faire ça, hein, on peut faire ça. Après, ça risquerait de faire un peu de terne. Alors attendez, où est le centre? Ah, on est d'accord. Et là, c'est genre ici. Ok, bah le centre, il est là. Hop, il est à la croix, au croisement. Du coup, j'ai plus de torches, j'ai tout mis ici, quoi. Attends. Hop là! Alors, disons que si on fait par exemple. Poudou. Poudoum, poudoum, poudoum.
5, 2, 3, 4, 1. Oui. Entité, sûrement, ouais, c'est possible. C'est possible. Hop. On refait un cercle dans le cercle. C'est la cercleception. Regardez-moi ça. Hop. Cercleception. Limite, on peut les placer directement dessus parce que là, je suis sûre de ne pas enlever ça. Et j'essaye de visualiser. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et là, on pourra mettre des escaliers en stone machin, stone brick. J'aurais dû descendre ça. C'est bête. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, je pense qu'on le fera sur un prochain live. Du coup, demain, c'est sûr que je ne live pas parce que je suis pas là. J'ai un truc. Et vendredi, je sais pas. Je sais pas. Si j'ai rien, je ferai peut-être un live surprise. Enfin, si je vous le dis maintenant, c'est plus une surprise, mais bon. Il y en aura qui sauront pas parce qu'ils sont pas là. Donc ce sera une surprise pour eux. Donc ce sera pas une surprise pour vous si je suis en live vendredi. Ok? Vous suivez? C'était pour voir si vous suiviez. Ah, purée. Ok. Du coup, on fait ça. Et puis, on continuera notre salle. Je pense que, limite, la salle des objectifs, on la fera avant tout le reste. Parce que j'ai envie qu'on l'ait pour savoir où on va, en fait. Pour savoir ce qu'on doit faire. Ok? On fera ça? On fera ça, on fera ça? Bon, je vous laisse avec la magnifique image. C'est trop bien, il n'y a plus l'arbre volant, quoi. Il n'y a plus l'arbre volant. Je vous laisse avec la magnifique image du jardin. Du coup, je vous invite. Eh ben non, je vais vous la mettre carrément. Je vais vous la mettre. Je vais vous mettre la vidéo de ma mort. Et puis, je vous fais des bisous. Je vais couper mon micro. Donc, moi, je vous laisse ici. Je vous mets la vidéo de ma mort. Et puis, on se retrouve donc peut-être vendredi, surprise! Si je live, sinon ce sera samedi et dimanche en live, sachant qu'il y aura les rediffs des lives précédents qui vont arriver sur la chaîne cette semaine. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de bisous. Je tenais aussi à vous dire un grand merci parce qu'on est de plus en plus nombreux et c'est vraiment super plaisant. Non, j'ai pas de spawner à squelette, mais j'aimerais bien en trouver un. Salut Zemino! Zemino qui arrive quand on part quand même, hein. Ah là là, oui, Wolfie! À demain, agent! Mais non, pas à demain. Ok, Camille sera chef de meute. Ouais, on verra, on verra, on verra. Bon, du coup, je vous fais plein de bisous. Je vous laisse avec la vidéo de ma mort sur la série. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à passer sur Insta, Twitter ou Facebook. Je vous réponds dès que je peux. Bisous, bonne soirée, bye bye. Amusez-vous bien. À samedi.